Depuis que le compte à rebours est lancé, eh bien, on y est. 11 juin 2011, 11h. Et on a commencé les cloches sonner. Hein. Je vais vous faire une petite introduction avant de passer la parole à René Rago, notre maire, à Alain Robert et à Dominique Réan, notre conseiller général du canton des Trois-Moutiers. Alors, nous sommes tous réunis ce matin afin de célébrer ensemble ce 8e rassemblement des Saint-Légers dans notre Saint-Léger de Montbrillet, petite commune du nord de la Vienne de 1040 hectares et d'une population presque de 400 habitants. Je vous souhaite la bienvenue dans notre Saint-Léger et un très bon séjour. Je passe la parole à... Chers amis des Saint-Légers de France et d'ailleurs, chers amis de Saint-Léger, de Montbrillet, chers bénévoles, merci de votre présence ici à Saint-Léger de Montbrillet pour ce 8e rassemblement des Saint-Légers. Depuis 1996, que de chemin parcouru, que de rencontres, que de projets élaborés ensemble afin de construire ce réseau d'amitié qui aujourd'hui nous rassemble au milieu du vignoble à Haussé-Saumur. Encore une fois, merci à toutes et tous. Profitez pleinement de ce week-end de retrouvailles et préparez-vous à monter dans 2 ans à Boissy-Saint-Léger. Merci. Bravo. Bienvenue à Saint-Léger de Montbrillet. Comme Monsieur le maire vous l'a dit tout à l'heure, nous sommes un petit peu à la croisée des chemins entre 3 régions, la Touraine, le Poitou, l'Anjou, tout près d'ici, dans quelques années, vous reviendrez, j'espère, au Centaure Parcs. C'est quelque chose d'important pour nous. Vous avez le Futuroscope, vous avez plein de sites touristiques, et vous verrez que dans la Vienne, on ne perd pas son temps, on a de quoi s'occuper. Merci, messieurs, dames. Vous êtes parti d'où ? Saint-Léger, Soucholet. Soucholet. Et vous, ça fait combien de kilomètres ? 92. Donc vous êtes parti quand ? Ce matin à 7h. Ce matin à 7h ? Oui. Nous, on est venus à 10, Saint-Léger, Soucholet. On vient de Combourg. Donc ça fait combien de kilomètres ? 245 kilomètres. Oui. Et donc, on est parti hier et on a fait une étape de 125, on est couché à Secré. Et ce matin on est reparti pour 117 kilomètres. Donc des Saint-Légers d'ici et d'ailleurs, j'ai vu quelques Suisses. Il y a des Suisses, il y a le stand suisse qui est en face de nous. Voilà, on va goûter leur fameux cépage. Donc nous l'année dernière on a fait l'Assemblée Générale. Bah, c'est juste 5 fois moins de monde. Ah oui. Organiser un rassemblement, pas tout de suite. Oui, oui mais pourquoi pas, dans quelques années, il n'y a pas de problème. Saint-Léger en Gaume. Saint-Léger en Gaume. Et ça se trouve dans quel... Si vous situez la Belgique qui est en triangle, ça se trouve à l'extrême sud, près d'Henri Luxembourg. Parce que la Loire va irriguer une grande partie de la France. Hein. De ce coteau, donc... Alors, quels sont ceux qui désirent goûter ? Vous amenez vos verres si vous désirez. Ceux qui veulent, qui n'ont pas de verre, je remplirai également les verres. Regardez votre verre, chef. La première boule qui a été cerclée, c'était en 1865 par un certain Pinault. Allez, bonne.
De proposer, il y a le grand de 9, à peu près 9 km et un plus petit qui fait 4 km 5, ça doit être ça à peu près. Au passage, je remercie l'association Marche et Rêve. On va passer dans le vignoble, on va même passer dans les caves.
Il y a une surprise dans à peu près 4 km. Qu'elle distribue aux gens avec tout ce qu'on va passer, les monuments qu'on va passer, et les points stratégiques avec des explications sur les jetoirs, etc. Eh bien, on va se promener autour de Montbrié, n'est-ce pas? Et puis on va découvrir tout ce qu'il y a, tout le petit patrimoine qui est là. C'est-à-dire l'église, le chemin du temple avec son panorama, le hameau du temple, une ferme qu'habitent les dernières vaches du coin, les restes du donjon du château de la Roche-Rabatée, le château de la Rouvray, le puits de chez Pierrette, c'est un puits commun en quelque sorte, les jetoirs tout au long du trajet, le site des vendanges, bien sûr, où a lieu le petit ravitaillement, la bouteille géante qui a été réalisée au cours d'une des fêtes des vendanges, la croix de la Jamette qui a été élevée en 1875, sans doute pour la protection des vignes, puisqu'elles étaient à ce moment-là atteintes par le phylloxéra, et enfin, notre élégant château d'eau. Voilà. Moi, qui c'est qui veut du rosé et du blanc? Nous avons encore un petit kilomètre. Je pense qu'on a avoisiné les 200 personnes, c'est quoi? Entre 200 et 250, ça s'est très bien pensé. Tout le monde a l'air satisfait, c'est vraiment une grosse satisfaction pour nous. J'en ai presque les larmes aux yeux parce que les messages de félicitations de la part du public ont été nombreux. Autrement, c'est la galère pour récupérer. On avait suggéré, pour éviter, parce qu'on calcule un peu aussi de notre côté, les frais. Ça ferait peut-être davantage de travail. Les frais d'envoi qui pèsent lourd. Envoyer les envois de Tombola au coordinateur, c'est bien. On a un envoi déjà qui part de l'autre. Surtout les Saint-Léger réunis aujourd'hui dans notre village. Seigneur, envoie ton esprit pour que tous vivent dans l'unité, dans l'amour qui vient de Dieu. Ensemble, prions. Pour les hommes, pour les femmes, pour les hommes. Salicornes qu'on mettait dessus. Les salicornes, c'est du, comment on appelle ça, du haricot de mer. Bon accueil, magnifique.
C'est bon ? Dis donc, on est allé chez Alain Robert. Il n'y a personne devant votre stand. Allez, 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 allez
peut venir chercher la coupe. Aujourd'hui est un village de la Somme de moins de 30 habitants. Il a fait un grand exercice à l'élastique. Et puis Sylvain. À travers les bénévoles, c'est de remercier aussi nos sapeurs-pompiers qui ont assuré, bien sûr. Super, super boulot. C'est Karine. Voilà, on voulait juste remercier René Rago, nos amis Alain et Guy, et ainsi que tous les bénévoles pour le formidable 8e rassemblement qu'ils viennent de nous organiser, de nous offrir. Je crois que vous pouvez encore les applaudir. De manière symbolique, nous leur offrons à chacun une orchidée qui vient de la collection Boissy-Saint-Léger. Nous avons maintenant la responsabilité, et je sens l'effervescence monter chez Karine, d'organiser dans 2 ans le grand rassemblement. On vous promet que vous serez bien accueillis dans 2 ans à Boissy-Saint-Léger. Merci à tous. D'émotion parce que vous êtes un peu à l'origine de tout ça. Oui, beaucoup d'émotion. Grande responsabilité quand on voit ce que vous êtes capable de faire. Ça met un peu de pression, mais on est tellement heureux de vous recevoir. Je tiens à féliciter toute son équipe de bénévoles, Alain et à René, qui ont travaillé d'arrache-pied. On est un certain nombre à avoir souhaité faire un petit cadeau à toute l'équipe de Saint-Léger de Montbrier pour les remercier de leur hospitalité. Chers amis, il y a 2 ans, tu étais chez nous avec ton maire, René. Tu avais peur de ne pas réussir. Je crois que tu as réussi nettement mieux que nous. Un petit coffret que vous boirez avec nous. Nous sommes une grande famille. Et aujourd'hui, je suis fier d'avoir travaillé avec René. Un lot de victuailles des Charentes-Maritimes. Et un remerciement de votre complicité et de votre réussite au rassemblement. Alors, c'est un service tapé en mouchoir de Cholet, fabriqué au musée du textile de Cholet. Merci Alain. Vous avez le prix Saint-Léger avec une bouteille d'eau de Saint-Léger. De la commune de Saint-Léger-de-Martinière et les amis de Léo, voilà une belle revue. Préparez vous autres un petit peu de Saint-Véran, du Mercure et la recette du café. Une fois de plus, d'être encore la délégation la plus nombreuse. Un peu de lecture de la Bretagne. Enrichissez-vous de notre territoire, il est magnifique. Félicitations particulières pour la projection d'hier soir sur le village de Saint-Léger. Tout particulièrement parce qu'on était vraiment contents de venir ici avec toute ton équipe. Alors en arrivant à la fin comme ça, c'est un peu difficile parce que tout le monde a dit toujours juste un grand merci à tous. Je vous donne tous rendez-vous en 2013. Donc, je vous enverrai. Au revoir et merci à tous. Saint-Léger, la Chiesa en Suisse. Vous félicite. De l'association des amis de Léo de la au nom de l'association quelques produits du terroir creusois. Une ovation à tous nos bénévoles.
n'entendrai plus avant. Je vous souhaite un très très bon retour chez vous et à bientôt dans les prochains rassemblements. Rock and roll.